Et salut à tous, c'est Clay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, le guide complet du COM, donc du centre d'opération mobile. Donc, je vous mets ce screenshot à l'écran pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner vraiment, parce qu'on peut voir que je suis en dessous de la moyenne et c'est pas forcément si cool. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et salut à tous, c'est Clay. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, après le guide complet du Terabyte, je vais vous faire le guide complet de ce gros camion cette fois-ci. Le centre d'opération mobile. Les abrégés, c'est comme COM, centre d'opération mobile. Donc, j'ai oublié de le faire pour le Terabyte, mais comment le commander d'ailleurs? Donc, hop, vous faites menu d'interaction. Vous allez dans véhicule imposant. Et là, vous pouvez voir qu'il y a tous les véhicules imposants. Donc, le Yacht Deluxe Galaxy, l'Avenger, centre d'opération mobile et le Terabyte. Donc, bah du coup, ce qui nous intéresse là, c'est le centre d'opération mobile. Donc, tout simplement, c'est un énorme camion à remorque. Donc, tac. Donc, il y a une fonctionnalité que je ne sais pas faire, c'est enlever la remorque. Bah, je viens de le faire. D'accord. Bah, yes, hein, super. Bon, bah, du coup, je sais comment on enlève la remorque. Mais super, avec ces vidéos, j'apprends des choses. Donc tout simplement, du coup je vais vous présenter ce bijou, hein, ce bijou de technologie avancée. Donc ce bijou du coup je ne l'ai pas maxé car je m'en sers très peu juste pour avoir le jogger noir du coup et le jogger rouge. Donc voilà quoi. Mais sinon je m'en sers très peu aussi. Enfin pour moi ça, là, ça dépend quoi. Ça, vraiment ça dépend, ça dépend. Donc là, enfin je l'ai pas maxé, j'ai quand même pas mal de trucs. Donc ici là, c'est l'entrepôt de véhicules. Ici là. Donc avec ça vous pourrez customiser vos véhicules armés, genre la Deluxo, l'Ardent, des trucs comme ça quoi. Donc les véhicules armés. Sauf la MK2, donc la oppresseur de base vous pouvez, mais pas la oppresseur MK2. Donc je vais vous montrer sur le store où il se trouve. Hein. Donc vous allez dans le Warstock et un peu à droite là vous pourrez voir que il y a le centre d'opération mobile ici, il y a l'Avenger que je n'ai pas lâché. Alors, donc module 1, pardon, module 3, atelier de véhicules et d'armes. Donc vous pouvez voir quand. En même temps, j'ai l'atelier d'armes, donc c'est exactement pareil que le Terabyte, c'est pour mettre vos armes MK2. Donc, franchement, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que les chargeurs, munitions traçantes, chargeurs grande capacité, munitions incendiaires, munitions perforantes, munitions blindées, et tout ça quoi. Enfin, voilà. Donc ensuite, on va passer à l'autre truc, mais je crois qu'ici aussi il y a d'autres trucs. Ah non, ok. Parce que c'est pas comme dans le complexe où il y a une armurerie. Donc tac, la porte s'ouvre. Donc ici, pas des trucs intéressants, hein. Vous pouvez changer de vêtements comme dans le Terabyte. Tac. Hop. Alors ici, je ne l'ai pas accès parce que les tourelles, je les ai pas achetées. Et bah, je les ai pas débloquées dans le bunker. Donc voilà. Donc bah, je vais quand même vous les montrer. Hein. Tac, hop, Warstock, tac, nickel, hop, donc, pardon, ouais, donc après vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi personnellement je vais pas acheter l'étoile parce que je trouve que ça sert à rien, enfin, vu comment je m'en sers, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc, ici, après, c'est aussi une autre tourelle, mais du coup, j'y ai pas accès. Donc, ici, là, c'est les opérations mobiles. Donc, moi, personnellement, je m'en sers pour avoir le jogger noir et le jogger rouge. Donc, tac. Et là, oh, d'ailleurs, j'avais pas vu que c'était x2 XP, x2 dollars. Bon, bah, j'en ferai sûrement. Donc, du coup, vous pouvez voir que vous avez 1, 2, 3, 6, bah, 8 missions. De centre d'opération mobile, donc pour avoir le jogger noir ou le jogger rouge, c'est conflit d'intérêt, hein, je tiens à préciser. Donc après, voilà, découvert. Personnellement, j'en ai fait aucune d'autre à part fuite de données, conflit d'intérêt, du coup. Mais, franchement, je savais pas que c'était double XP, double dollar. Bah, voilà, un truc à faire. Donc là, vous pouvez sortir de la remorque, personnellement, c'est ce que je vais faire.
Et aussi, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il résiste, devinez à combien, je vous laisse 10 secondes pour mettre en commentaire, combien de roquettes. Il résiste à 64 explosions. 64, j'ai vu sur internet. Il résiste à 64 explosions. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez troller des gens comme ça. Donc je vais vous montrer comment. Donc tac, pour vous prouver. Tac, alors hop. Tac. Tac. Bref, j'ai pas usé tous mes missiles parce que ça coûte assez cher. Et ce qui est cool, c'est que du coup, bah vu que je sais comment on enlève la remorque, du coup. Bref. Tac, vous mettez les flèches de droite. Hop. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez troller avec ça. Donc du coup, le camion, lui aussi résiste à 64 explosions, du coup, regardez. Tac. Et voilà, vous pouvez voir qu'il résiste. Et du coup, ça, c'est vraiment cool pour troller des gens. Pour, ouais, bah oui, pour troller des gens et tout, tout le bordel. Donc vraiment, ça, c'est, je trouve que c'est la meilleure fonctionnalité, quoi. D'enlever leur remorque et du coup, avoir, avoir le camion tout seul pour troller tranquillement. Donc, ce véhicule, pour l'avoir, il vous faudra d'abord le bunker. Donc, c'est pas gratuit. Ça coûte assez cher. Désolé, hein, d'ailleurs. Donc, vous pouvez voir la vitesse. Je crois qu'il va un peu plus vite que le terrain en bait. Un peu. Je suis pas sûr. Mais bref, hein, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc, je vais vous montrer où acheter le bunker. Et comment, du coup ? Donc, vous allez sur internet, vous allez sur Forecloser Maze Bank, vous faites accéder au site, et vous pouvez voir que vous avez du coup tout, QG, bunker, hangar, salle d'arcade, boîte de nuit, complexe, et tout le bordel. Donc vous allez dans bunker. Donc, moi personnellement j'ai pris le moins cher, et c'est une grave erreur, et putain du coup c'est pas du tout. Bref, du coup je vais appeler Lester. Hop, Lester. Je sais vraiment pas conduire, mais... Ok, alors, tranquillement, on appelle Lester. Hey, what's going on? Hop, là. Ok, I'll get you out of trouble. Alors, no problem. Du coup, je disais, vous allez sur internet, Forecloser Maze Bank, accéder au site, vous allez dans Bunker, et vous pouvez voir qu'il y en a aucun en ville. Donc, pour moi, le meilleur, surtout que je crois qu'il y a des promotions, ou c'était la semaine dernière, ouais, non, c'était la semaine dernière. Donc pour moi les deux meilleurs c'est celui-là, le bunker de la ferme et le bunker de Schumach, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, Schumach, un truc comme ça. Ou bah c'est celui qui se rapproche plus de la ville. Moi j'ai fait la grave erreur d'acheter le moins cher qui est celui-là. Qui est tout en haut de la map. Et du coup c'est très compliqué pour vendre, etc. Du coup c'est. Ouais c'est compliqué quoi. Voilà, donc c'est ici qu'on achète le bunker. Vous n'êtes pas obligé de prendre des fonctionnalités de bunker pour avoir le centre d'opération mobile. Donc vous pouvez direct acheter le bunker et juste après le centre d'opération mobile. Tac. Donc voilà, c'était le petit guide complet du centre d'opération mobile. Il a été un peu moins long que le terabyte parce que le terabyte a plus de fonctionnalités et a plus de missions. Donc voilà. Voilà. Donc c'était le petit guide complet le centre d'opération mobile. Voilà. Alors, du coup, bah, je viens d'apprendre cette fonctionnalité qui est vraiment pas mal. Donc ouais, c'est pas mal. Du coup, vous pouvez troller des gens, vous pouvez vous amuser à troller les gens, vu que du coup le camion résiste à 64 explosions aussi. Donc vraiment, c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur cette fin. Hein. Allez. Il fait une chaleur incroyable. Bon, vous pouvez mettre des pouces bleus.